Et salut à tous les amis, c'est Mofoui. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle je vais présenter la nouvelle petite pioche sur Fortnite Battle Royale. Mais vraiment, avant de commencer la vidéo, je vous invite vraiment, mais déjà tout de suite là, si t'es chaud, à t'abonner à ma chaîne YouTube et pourquoi pas mettre un petit j'aime sur ma vidéo si tu kiffes, eh ben justement, cette nouvelle pioche. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler de la nouvelle pioche. Aussi, n'hésitez surtout pas, si vous achetez la pioche ou d'autres, mettez le code créateur, voilà, c'est très important. Merci à tous ceux qui le feront, voilà. Donc ça, le petit abonnement, ça fait tellement plaisir. Donc on va parler d'aujourd'hui de la nouvelle pioche sur Fortnite Battle Royale. Et aussi, je voulais vous parler, car en description, je vous ai mis un petit Discord. Donc si vous voulez me rejoindre, c'est gratuit. Franchement, si vous voulez faire des vidéos avec moi sur LSPD, sur Flashing Light ou d'autres jeux, n'hésitez surtout pas à venir sur notre Discord qu'on a créé avec plusieurs personnes. Bref, aujourd'hui, on va parler de la nouvelle pioche. Elle est là, franchement, elle est vraiment hyper stylée. Et aussi, en commentaire, notez-la sur 10. Combien vous lui mettrez? Est-ce que vous mettrez 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10, 4 sur 10, 5 sur 10, 6 sur 10, 7 sur 10, 8 sur 10, 9 sur 10 ou 10 sur 10? Ça, c'est à vous de voir directement en description. Moi, je vous donnerai ma petite note et mes petits ressentis. Donc là, comme vous pouvez le voir, au niveau de la tête, on a là, au niveau là, des genres de petites bananes ou je sais pas quoi, ou des genres de cheveux, mais qui est quand même assez stylé, avec un petit diamant qui est juste en haut et qui est vraiment, vraiment hyper stylé, avec là un genre de petit rubis qui est en plein milieu et la petite croix. Elle me fait vraiment penser à la pioche de la croix comme ça qu'on pouvait taper là, qui est un peu lumineux. On dirait qu'ils l'ont un peu remasterisé d'ailleurs, mais franchement, elle est assez stylée. Franchement, j'aime bien. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous aimez bien ou pas. Donc elle est à 800 petits V-Bucks, je sais que c'est extrêmement cher 800 V-Bucks. Donc voilà, chapitre 2, saison 2. On va tester le son, s'il n'est pas trop dégueulasse. Ouais, franchement, c'est assez stylé. Mais franchement, ça me fait vraiment penser à l'ancienne pioche. On dirait qu'ils l'ont plutôt un peu remasterisé. Mais franchement, j'aime bien. Franchement, j'ai une petite note à mettre sur 10. Je mettrais du 8 sur 10 pour 800 V-Bucks. Bah, le seul note qu'ils préfèrent baisser, c'est que ça sera 500. Parce qu'à 800 V-Bucks, ça fait un peu cher quand même. Mais bon, voilà, après dites-moi en commentaire. Voilà, franchement, le son, j'aime bien. Voilà, le son, il passe plutôt bien à la force de l'écouter. Donc voilà, la petite pioche, comme je dis, 8 sur 10. À vous de voir en commentaire combien vous lui mettrez. Ensuite, on a le retour du petit skin Gabo, voilà, qui a fait son retour, qui est assez stylé. Donc, on a plusieurs aperçus, comme pour le voir. Donc là, la première aperçu, franchement, il est trop stylé. On a l'aperçu avec le petit Père Noël, qui est vraiment très, très beau aussi. Et on a le nouveau revêtement aussi, comme ça. Un peu militaire, à la beau gosse. Franchement, pas mal non plus. Le skin, il a 1500 V-Bucks. Franchement, pour 1500 V-Bucks, ça vaut vraiment le coup. Parce que pour 1500 V-Bucks, t'as quand même pas mal de revêtements avec. Et on a sa petite gamelle qui est quand même assez stylée. Ensuite, les amis, on a aussi le petit sac à dos, sac d'os, pour 200 V-Bucks, chapitre 2, saison 2. Voilà, qui refait son retour. Bon, il n'est pas hyper ouf, mais voilà, c'est un petit sac à dos à 200 V-Bucks. Ensuite, on a la petite pioche os à ronger. Franchement, elle est assez stylée aussi pour 500 V-Bucks pardon, de la saison 9. Franchement, elle est assez stylée, elle est assez badass. On va tester. Franchement, j'aime bien. Voilà, un petit os en or. Ça, c'est des petites pioches que les gens plutôt PC, joueurs pro, voilà, qui prennent. Parce que c'est des pioches assez fines, pas très grosses. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà acheté ou pas pour 500 V-Bucks. Et on a aussi un petit revêtement d'armes qui refait son retour de la saison 9 pour 300 petits V-Bucks. Comme pour le voir sur la SCAR, assez stylé. Le petit pompe, la petite arme, le sniper, le petit flingue et le truc qui rend de la vie. Chaque fois, je ne me rappelle jamais comment il s'appelle. Mais voilà. Et on a aussi le retour d'une petite pioche de la saison 1, chapitre 2 pour 500 petits V-Bucks. Voilà, qui est assez stylé. Franchement, elle est plutôt belle, j'aime bien. Un petit revêtement d'armes pour 300 V-Bucks de la saison 1. Une chapitre 2, comme pour le voir sur le petit pompe. Pour 300 V-Bucks, ça passe bien quand même. La petite arme, le sniper, le petit flingue et le truc qui rend de la vie. Franchement, c'est plutôt badass. Voilà, gris comme ça. Et le retour d'un petit skin, chapitre 2, saison 1. Voilà, qui est assez stylé aussi pour 1200 V-Bucks avec son petit sac à dos. Genre une petite grenade GGN, là, je sais pas quoi. Mais franchement, ça passe plutôt bien. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, de me dire en commentaire ce que vous en pensez de la nouvelle petite boutique sur Fortnite, est-ce que vous êtes content qu'on ait une nouvelle pioche, et je vous dis ciao, à la prochaine pour une nouvelle vidéo les amis, et n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Discord, comme ça on pourra discuter ensemble, on pourra faire pas mal de choses, et surtout jouer ensemble, ciao ciao les gars.